Bonjour, bienvenue dans la classe des CPC. Je m'appelle Alex et je vais vous présenter un projet mené cette année par les élèves sur le thème du cinéma d'animation. Ce projet a permis aux élèves d'acquérir des compétences en histoire de l'art, en sciences, en production d'écrit, en mathématiques, en informatique et en art visuel. Un dessin animé, c'est comme un film, mais c'est pas vraiment pareil. Les dessins animés, c'est pas des vraies personnes qui adorent les dessins animés. Ils marchent dans les dessins animés. Ils ont pris un petit tableau et ils ont dessiné le personnage. Après, ils l'ont fait bouger avec leurs mains. Ils sont derrière les dessins. L'image, c'est quand la télé, elle bouge toute seule. Ils bougent tout seul. Ils effacent les dessins, ensuite ils les bougent d'un autre côté. Par exemple, on va dire le premier dessin. Bon, vous savez que je dessine pas bien, c'est pas grave. C'est un concours de dessin. Voilà, c'est pas un concours de dessin. Là, ça veut dire que je le dessine ici et après je le dessine ailleurs. Oui. Et est-ce que je le mets sur la même feuille ou pas? Oui. Oui. Donc ça veut dire que je le mets ici après. Oui, mais il faut aussi effacer. Et j'efface l'autre. Oui. Ah, c'est pas bête ça. Peut-être que c'est comme ça. Ça vous a plu ou pas? Oui. Vous l'avez trouvé bien ce dessin animé là ou... Non. Il n'y avait pas de son et c'était en noir et blanc. Parce qu'il n'y a pas de son.
Parce que c'est fait en noir et blanc. Alors au début, on voit le monsieur là qui dessine et après le personnage qui s'anime tout seul. Est-ce que vous pensez que c'est possible ça? Non. Non. Hein. Comment ça marchait à l'image avec le niveau du photoscope? Comment est-ce que le dessin bougeait? On faisait vite et l'image elle bougeait petit à petit. Fallait dessiner en haut, tout au bout de la feuille, ensuite en haut, presque à côté de l'autre dessin, un tout petit peu déplacé pour que ça fasse bouger quand on le fait vite. Il a fait plusieurs dessins et après il était obligé de faire ça et comme les folioscopes. Là, le monsieur, il a fait la même chose. Hein, il a fait plein de dessins et ensuite il les a fait bouger très rapidement. Et lui, il ne l'a pas fait avec un folioscope, sinon on le verrait. Le monsieur, il a utilisé une autre façon de faire bouger rapidement les dessins. Et cette façon-là, on va la découvrir bientôt, puisque bientôt, vous allez aller visiter une salle de projection et vous allez vite comprendre comment est-ce qu'on fait bouger ces dessins rapidement. Alors, rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir un film au cinéma, mais vous êtes venu pour visiter la cabine de projection. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà visité une cabine de projection? Non. Non? Alors vous allez découvrir ça aujourd'hui. Une cabine de projection, c'est la pièce, c'est l'endroit où il y a les machines, donc on appelle ça des projecteurs, dans lesquels il y a les films qu'on met en route pour évidemment qu'il y ait l'image sur l'écran. Voilà. Donc maintenant, en 2013, c'est-à-dire que je le fasse, il existe un projecteur numérique. Donc vous allez découvrir l'ancien projecteur qui projetait, on va revenir dessus, mais de la bobine qu'on appelle 35 mm, et le deuxième projecteur, le projecteur numérique. Mais le projecteur avec la bobine, celui-ci, il existe depuis très 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 longtemps. Et il y a beaucoup de cinémas qui ont ce type de projecteur. Alors, tout le monde voit la grosse galette qui est dessus? Oui. Oui, tu vois la grosse galette? Alors, là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le film qui est en bobine, qui fait une taille de 35 mm. En fait, les images sont toutes petites, elles sont grandes comme ça. Et elles sont à la suite les unes des autres. Et comme je disais tout à l'heure, ensuite, sur le projecteur, il y a un moteur qui va faire avancer la bobine à la vitesse de 24 images secondes, pour que ça défile assez vite, pour que justement on voit les acteurs bouger. Voilà, c'est l'illusion du mouvement. Cette grosse machine-là, c'est pour régler tous les sons dans la salle. Parce que vous verrez quand vous allez descendre, même on voit un petit peu d'ici, vous voyez, dans les salles de cinéma, il y a plusieurs haut-parleurs, à gauche, à droite, derrière, et il y en a aussi derrière l'écran qu'on ne voit pas. Donc sachez que vous êtes l'une des dernières classes à pouvoir avoir un bout de bobine comme ça, car les bobines disparaissent de plus en plus. Maintenant, c'est que en numérique, que dans le gros ordinateur. Et parce que maintenant, ça ne va plus exister. Donc essayez de la garder le plus longtemps possible, si vous voulez montrer à votre famille, à vos enfants, à vos petits-enfants. Parce que quand vous aurez des petits-enfants, quand vous serez grands-parents, ça, il n'y en aura plus du tout. Vous avez 24 images. Comme ça, vous vous rendez compte que c'est ce petit bout-là qui passe en un claquement de doigts, en une seconde.
Encore. Allez. Allez. On y va, on avance. Tellement jolie, tellement en scène, la scène, la scène, la scène. Je ne sais, ne sais pas pourquoi c'est comme ça. La scène et moi, je ne sais, ne sais pas pourquoi c'est comme ça. La scène et moi. Bonjour, qui es-tu? Ah, un requin! Mais t'en vas pas, je suis gentil. Non, je te crois pas, je veux juste me manger. T'es sûr? Je vais pas te manger. En plus, je suis végétarien. D'accord, je te crois. Je m'appelle Tom. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Pupule. Enchantée de te connaître. Où t'habites? Je sais pas. Je suis perdue et j'ai perdu mes parents. Je vais t'aider à les retrouver. Tellement jolie, tellement sans scène. Ah, bonjour toi. Ah, un requin. T'en vas pas. Attends, reviens. Je vais pas te manger. Oui, c'est vrai, il est végétarien. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jack. Et vous, comment vous vous appelez? Lui, c'est Tom. Et moi, c'est Pupule. Il est perdu, il ne retrouve plus ses parents. Moi, j'ai vu tes parents, ils se sont fait pêcher. Au secours! Vite, allons les sauver! Au secours, aide-nous! Allez les copains, venez m'aider! Merci, tu es notre sauveur.